Booster Winner incroyable aujourd'hui, qui est nettement détaché de Bob Parker et de Big Star. Booster Winner et Eric Raffin qui filme à la victoire dans ce premier set, même si Bob Parker est derrière lui. Et le Big Star est en troisième position. Booster Winner de bout en bout et sur un rythme effréné. Booster Winner qui s'impose au premier set. Bravo, c'était un coup de poker que tu tentais en le débutant monter directement dans le PDC. Bah, par rapport au gain, j'ai dit on n'a pas trop de courses, il avait une course que fin juillet, donc j'ai demandé à Eric de venir l'essayer à la maison. Et à la maison c'était super parfait, donc on a dit on essaye. Et puis voilà, bah, en classe d'attelage, l'autre jour il marchait quand même 14,5 2007. Et donc par rapport au show qui court monter, en classe d'attelage j'ai devenu le meilleur. Est-ce que tu t'attendais à le voir s'imposer? Tu t'attendais évidemment une bonne performance, mais de là à le voir gagner, puis il y a la manière. Hein. Gagner, après c'est un cheval qui est très véloce, qui démarre très vite. Donc après on a mis un bonnet ferme aujourd'hui, donc il a pris la tête, il a pris 20 mètres d'avance. Et après la course était faite quoi. On s'aperçoit que 2100 mètres souvent, les jeunes chevaux quand ils partent vite, les autres ont du mal à revenir. Bravo encore à Eric Raffin, bravo à toi. Quelle année, depuis le début de l'hiver, c'est le tandem de folie. Ça va être mon année. Et puis Eric, en fait, il fait des super courses, on a des bons chevaux. Ce cheval-là, bon, on l'a récupéré il y a 2 mois. Et donc, c'est une bonne recrue. Donc, voilà. Mais c'était un bon cheval, j'ai rien inventé. On continue ce qu'a fait Philippe Allaire. Et puis, il était 2 fois deuxième de Bouclier d'Or, des chevaux comme ça. Donc, c'est des super chevaux. Donc, voilà. Vous officialisez le mariage quand avec Eric? On va se paxer déjà et puis après on verra. Hein. Merci. Et on pense déjà à l'autre. Eric, c'est toujours un régal de monter les chevaux de Sébastien Gardeau. Bah ouais, non, le cheval il venait de super bien courir à l'attelage, 14,5 2007. On l'avait essayé sous la selle, c'était bien. Maintenant, de là à dire qu'on avait gagné le prix d'essai, c'était autre chose. Mais c'est vrai qu'il l'a bien fait. C'était volontaire cette tactique d'aller devant les méchants? Non, involontaire. Mon cheval m'a pris la main un peu à descendre. Donc j'ai pas trop voulu me battre avec. Il a bien respiré. Bon, on dirait que c'était un coup de génie. Voilà. Urm Bird, deuxième, c'est une déception ou pour toi il est à sa place? Non, on n'a pas eu de problème de trafic. On a eu un assez bon parcours hein, quand on n'a pas à être déçu. Je pensais pas être battu par ce cheval-là, c'est tout. Non, mais c'est pas mal. Hein. Il fait sa course, ce cheval. Il a un petit peu de poids, c'est pas un vrai cheval monté. J'ai pris mon temps en partant, le cheval de tête était parti, donc trop tard. Ouais, parce que tu nous avais dit que c'était pas spécialement à son programme, ce prix d'essai. Qu'est-ce qui vous a décidé dans l'entourage à le présenter? C'est parce que l'opposition, vous semblez dans les cordes? Ouais, il avait retravaillé au trop monté une fois pour voir. En début de semaine, c'était très bien. Donc on s'est dit que c'était peut-être plus facile, c'était un copain. On en profitait pendant qu'il était en forme, mais bon, ça sera pas sa carrière de prédilection, je pense. Oui, puis il est deuxième, c'est pas non plus la place du con, quoi. Oui, voilà, c'est un copain, deuxième, non, mais bon, voilà, c'est pas le vrai. Adrien, bingo, il ne fait que confirmer. Oui, voilà, il rappelle la valeur de l'autre jour, il court super. Il m'a même bien plus pour finir parce qu'il n'a pas lâché le morceau, il refait même sur Bird Packer, donc non, c'est très extra. Des regrets? Un petit peu dans le dernier tournant, Johan il passe devant moi, du coup j'ai un peu arrêté de taper. Je sais pas si j'aurais été deuxième, mais mon cheval aurait peut-être été un peu plus prêt pour finir. C'est un cheval avec lequel tu t'entends particulièrement bien? Oui, il était pas trop facile à l'attelage, monté il est assez gentil, donc c'est vrai que je m'entends bien avec. Mathieu, Badjo, dès le départ on sentait que t'étais battu. Ouais, mais il est parti très tendu, il m'a embêté pas mal. Il était tendu, il y avait un grand écran dans la raquette, il en avait peur et désagréable. Donc on a perdu beaucoup de temps et puis après on est parti en dedans, alors un petit peu surpris. Et en descendant aussi, après j'avais du gaz et tout, j'allais vraiment très bien de condition, il était tip top, mais un petit problème de dérailleur, donc loupé. C'est dommage parce que bien d'allure, on n'aurait pas été ridicule du tout, hein, il était prêt à faire une bonne perf. Donc est-ce que c'est la contrariété d'avant-course? Est-ce qu'il y a un petit truc à soigner? Faut voir à froid avec son entraîneur, mais ouais, y a un petit grain de sable qu'enraye la machine. Merci Mathieu.